Naissance détermine la condition. Le type le sait, sa mission y échapper, mais c'est impossible. Avant d'oublier, reprenons l'histoire depuis ses origines. Tout commence à Deb, tout commence à peine que Laios, père de Deep, perd la tête pour un jeune homme dénommé Chrysip. Le viol et alors le père de celui-ci, Pélops, condamne Laios à l'inadmissible. Si un jour il ose donner naissance à un fils de sa main, il devra périr. Les années passent et alors que Laios est en extase face au sourire de sa femme et ses formes, il succombe à la flamme. Et Jocaste met au monde un enfant dont l'histoire nous dévaste encore. Un enfant dont l'histoire nous dévaste encore. Le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demander à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demander à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Une fois mis au monde, l'enfant est abandonné, promis à la mort et aux lois qui disent qu'on ne peut recevoir sans donner. Mais la vie est chance, même si la vie méchante, Oedipe le verra parce qu'il sera sauvé par un homme de passage en route pour Corinthe. Le hasard a voulu que son souverain ne soit pas capable d'engendrer l'enfance. Polype joli, non pour un roi, mais très vite Oedipe sent que ce choix n'était pas le sien. L'oracle affirme que l'orage vient et l'orage est noir. Oedipe, tu tueras ton père, épouseras ta mère. Que faire avec ça? Que faire? Que dire? Que faire? Si ce n'est fuir, hein? Le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demander à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demander à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. En route pour une nouvelle vie, il croit échapper au pire, mais il croise le premier personnage de la prophétie. Laios, son père et son écuyer s'opposent mais sont foudroyés. Oedipe s'emporte parce qu'il est nerveux, est-ce que vous voyez? Peu importe les causes, il est ce genre d'homme pour qu'il recourt à la force dès qu'un autre aveu. Oedipe épuisé continue sa route et entend parler d'une ville terrifiée par un monstre fou. Un sphinx, une énigme et des doutes. Oedipe le craint, il navigue en nos troupes. Mais plus malin que les autres, il devine qu'il s'agit de l'homme. Et alors le monstre saisit dans le vide saute. Subite la mort, subtile la somme, cause de leur désaccord. Pour l'orphelin, les victoires s'enchaînent et le trône s'approche. Celui de Thèbes, celui ou celle qui en est la reine, a promis son corps à tout homme qui délivrerait la ville de la bête ignoble. Avec Oedipe, c'est chose faite. Le problème, avec Oedipe, c'est l'inceste. Si vos souvenirs sont clairs, vous aurez compris que la reine n'est autre que sa mère. Jocaste, trop tard, l'orage ronde et tout s'effondre comme l'avait prédit l'oracle. Dommage, après tant d'efforts, point de réconfort, mais une prophétie qui se réalise pour une tragédie qui se renforce. Mère et fils se rendent compte du poids de leurs actions, de leurs choix et de leurs relations. Jocaste se suicide, Oedipe se crève les yeux. Normal que celui-ci depuis demeure la risée de la terre des cieux. Oui, demeure la risée de la terre des cieux, mesdames, messieurs. Le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demandez à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Le destin, véritable tragédie. Festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demandez à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Tout le monde, le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demandez à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Le destin, véritable tragédie. Un festin pour les dieux qui s'en réjouissent. Demandez à Oedipe, l'instinct ne suffit pas dans cette histoire. Réussite rime avec parricide. Le destin. Merci.